Ouais. Couper, décaler, pas facile là. J'ai dit, oh. Hein? Manassé. Ouais. Depuis quand même Zougrou ne porte pas de veste même. Ah bon? En plus, même son rouge. Zougrou de maintenant la main. Non, 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 à partir de maintenant, le père, moi j'ai commencé à faire des tenues imposées ici. C'est quoi? Donc, change la veste rouge. Oui, blanc aussi, t'es rien. Non, vraiment. Mais, femme d'Abidjan, faites attention, hein. Tous ceux qui portent veste Abidjan ne sont pas les boss. Il y a témoin de Jéhovah aussi dedans. Applaudissez un peu les Zougrou, s'il vous plaît. Voilà, considérez-moi comme votre professeur ici, votre pépé. Voilà l'éducateur. Tout à l'heure, on commençait le cours. Donc, voilà, prenez la craie tout à l'heure au tableau. Zouglou. École a commencé. École a commencé. École a commencé. Au début de l'année, les enfants sont pressés, mais quand l'école arrive au milieu là, on voit qui est élève. École a commencé. Matoua, kete, il a eu son CP, on l'orientait au lycée. Arrivé au marché, il est collé derrière sa maman. Faut acheter mon kaki, sinon tu bougeais pas. Tellement il est serré comme tatouage d'un végétal. École ivoirienne, Yako. École ivoirienne, Yako. École ivoirienne, Yako. École ivoirienne, Yako. On est tous partis à l'école. On est tous partis à l'école. Mais pourquoi c'est les femmes qui ont la moyenne en EPS? Les garçons font du bruit pour ça. Hey, on souffre trop haut. J'ai dit, on est tous partis à l'école. Mais pourquoi c'est les femmes qui ont la moyenne en EPS? Le garçon, il s'est tué. Il a deux de moyenne. Les petites filles qui font rien là, 18 de moyenne. Maman, comment tu fais? C'est entre moi et le professeur. Si tu veux pas redoubler, il faut fermer ta bouche. École ivoirienne, Yago. École ivoirienne, Yago. École ivoirienne, Yago. Quand nous on partait à l'école, l'école des papas Lacopolé là, l'école des Elzo Ferrari là, à notre temps, l'école était intéressante. On nous donnait 50 francs comme petit déjeuner. Dans les mêmes 50 francs, on mangeait à Tchoukou, Kéré Kéré, à Pacrapro. Le peuple vient de laisser la fête. Aujourd'hui, 500, comme petit déjeuner. Au lieu de prendre ça pour manger, il prend pour acheter des cigarettes. Assis derrière la classe, en train de fumer. Le plus vieux de la classe, lui fume pas cigarette. Tous ses yeux ont rougi, ses lèvres même ont noici. Ce que lui il fume là, nous on ne connaît pas son nom. On appelle ça Ougougou. Dans tout ça, c'est nos grands frères étudiants. Deux pêcheurs de cacao pour l'inscrire à l'université. Il s'appelle Mori, il a mis ses vins à la fin. C'est lui le boucantier international. C'est dans l'agent d'inscription, il prend pour faire le boucan. Demain, il va pas réussir, c'est pour accuser les sorciers. Sorcier aussi, c'est un métier comme ça qu'il a choisi. Voilà pourquoi n'importe qui met sa bouche ici. Si elle est sorcière, si elle peut voir, t'as la cour et parler, laissez-moi un peu voir. J'ai dit, ah, école ivoirienne, Yago. École ivoirienne, Yago. Autant de nos mamans, nos mamans, elles s'habillaient en bleu blanc. Mais bleu blanc de nos mamans, on n'a jamais vu hôtel dehors. Nos petits élèves aujourd'hui, c'est à l'école qu'elles vont jouer les mannequins. J'y parie, si poitrine, poitrine sont sur le coup. Professeur n'a qu'à voir ça, elle aura 20 de moyenne. À cause de la petite fille, la monsieur a chassé sa femme. Quand tu m'as droit, pardon, va rejoindre ton foyer. Yes, Zougrou, école ivoirienne, Yago. École ivoirienne, Yago. Mais il n'a pas de challenge. Maintenant, c'est premier à Kouka Kadiri. Ami, qui a quoi, 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 qui a chers élèves, à votre avis, je peux avoir quel âge? Le premier élève, il dit, monsieur, quand je te vois là, tu as 18 ans, le maire du sauvage. Toi là-bas, monsieur, à quel âge? Il dit, monsieur, façon, je te vois là, tu as 22 ans, le maire du sauvage, quitte ici. Pas sérieux, ça. Le plus bête de la classe. Lui-même, quand tu attends son nom, tu sais qu'il n'a pas d'avenir. Il s'appelle Kiakwadjo Kabakru Ibrahima. Si il manque, Dieu m'amène en France. Donc, il y a quel avenir d'un nom comme ça là?
C'est quelqu'un comme ça, le maître pose question. Toi là, hé, je vais avoir quel âge? L'enfant se lève. Il dit, c'est simple, monsieur. Quand je te vois là, wallahi, tu as 23, tu as 46 ans. Le maire, comment tu sais que... Oui, il a trouvé mon âge. Comment tu sais qu'il a 46 ans? C'est là là que l'enfant là, il va tuer son maître. Il va assassiner le maître. Il dit, monsieur, mon grand frère à la maison là, il s'appelle Matou. Et puis lui là, il a 23 ans. Monsieur, façon, il est bête. Comme toi, tu es deux fois bête que lui. Il a fait 23 plus 23. J'ai trouvé 46 ans.